Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Fallout 4 sur PC avec Petit Canicou. Oh, Petit Canicou. Hé hey. Oh. Comment ça va, mon vieux? Oh. Laisse tomber, mon grand. Oh, il est tout mignon. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que bah, oui, donc on va tout de suite continuer. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous allons déjà continuer avec le principal, jusqu'à vous être débarrassé des pillards avec une petite minigun que je vous ai indiqué où trouver si vous ne faites pas les. Vous ne voulez pas faire l'étape de la quête. Et là, on va tout de suite. Kenigo, il a trouvé quoi? Ok. Entrez. Comme ça, je prends le minigun ici. Hein. Et chef, il y a quelqu'un là-haut. Terminé. Vous avez vu ça? Pourquoi tu descends pas nous montrer ton joli flingue de poulet? Pas donné à tout le monde de tromper la vigilance de mes gars. On t'attend, minable. Je le savais. En fait, j'ai pas fait comme j'ai dit. Je le ferai plus tard. C'est pas grave. Prochaine vidéo. Pour les PA ou les AP, je ne sais pas exactement. L'interface de l'armure est stylée quand même. Qu'est-ce que t'as tiré de toi? Oh, un écorcheur. Oh, 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 oh. C'est quoi ce bordel? Bah oula oula. Non, touche pas mon chien. Ah bah j'avais jamais vu cette bestiole encore. Voilà. Donc bah comme je peux toujours pas sprinter. Hein. J'espère qu'ils vont régler assez vite ce problème. Hein. Faites pas trop, maman. Vous allez bien? Ah, presto. Arrêtez de vous inquiéter pour Salut. Rien. C'était vraiment impressionnant. Je suis content que vous soyez de notre côté. Ça va aller pour vous maintenant? Oui, du moins pour quelque temps. On devrait pouvoir trouver un emploi. Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez demandé de vous parler des miliciens. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on aide nos amis. J'ai pas fait ça pour l'argent. Hé, hey, désolé. Je suis habitué aux gens qui... Vous savez, vous me rappelez mes amis. Les autres miliciens, je veux dire. Qui ont donné leur vie pour un idéal qu'ils considéraient comme plus important que leur propre existence. Vous devriez nous accompagner jusqu'à Sanctuary. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Conservez bien cette force qui est en vous. Dites-moi plus. Vous êtes une femme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas... Oh, toujours vivant, merci. Je le savais. Je vous en prie. Je...
Je ne le vois. Mm-hmm. Et je n'ai pas besoin de la vie. Le beau diamant vert du Commonwealth. Diamond City, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Diamond City? Écoutez, je suis fatiguée. Non. On en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Je suis sûre que Preston pourra s'occuper de tout le temps qu'on arrive à Sanctuary. Oh, ça suffit, Preston. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision et notre nouvel ami aussi. Et maintenant, en route. Sanctuary nous attend. Bon. Grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît? Vous voulez dire qu'elle l'a vue quand elle était complètement défoncée, oui? Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vue? De toute façon, ça ne peut pas être pire que... Pas la peine de s'énerver. On est tous dans le même bateau, pas vrai? Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant? Quelqu'un d'autre? Dans ce cas, adjugé pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Bien, June, il est temps d'y aller. Oh, d'accord. Allons-y. Ouais, donc ouais, Sanctuary, c'est là d'où on vient, encore une fois. On va garder les munitions pour plus tard, on va prendre plutôt celle-là. Comment je fais pour quitter l'armure? Ah. Ça me vaut mieux que je la garde. On ne sait jamais. Toujours pas à croire que vous avez buté ce machin. C'est la première fois que vous avez buté. En autant qu'il soit mort. Je les répare, ok. J'ai déjà quelques objets. Enfin, j'avais trouvé quelques objets également avec. En même temps que le. Comment s'appelle cette arme déjà? La Fatman. Regardez les dégâts que fait cette arme. Par contre, je n'ai qu'une munition de cette arme, donc. À bien garder. Je peux toujours pas courir, hein. Comme la peine n'est toujours pas venue. Enfin, elle ne se recharge plus pour le moment, je ne sais vraiment pas pourquoi. Donc je vais devoir utiliser à partir de la prochaine vidéo un autre moyen pour pouvoir l'avoir. Mais par contre, ça sera un petit peu différent parce que je l'aurai en illimité donc, dans ce cas-là. J'essaierai de ne pas trop en abuser. Ça m'a dit que j'ai plus de munitions. Ah si, c'est bon. Ils prennent leur temps, hein. Sans vouloir vous vexer, si vous êtes du coin... Oh ouais, on est du coin, hein. On va où, Marcy? T'inquiète pas, Joe. Reste avec moi, tout ira bien. D'accord. Je suis caché, on ne voit pas. Pas aller plus rapidement. Allez. D'ailleurs, est-ce que c'est la quête principale, ça? Je n'ai pas vu. Ah non, ça c'est... Ouais.
C'est bien retrouvé, c'est ça? Non, rejoignez. Ah oui, je vois ce que je dois faire, d'accord. On va s'y téléporter directement. Ils auront le temps de se déplacer jusqu'à là-bas, normalement. Donc là, j'ai de l'équipement. On va s'en équiper. Alors... brasse à gauche. Le casque. Brasse à droite. Je peux pas l'équiper. Bizarre ça. Je veux les réparer mais... comment je peux faire pour les réparer? Comment je peux faire? Comment ? Je ne sais pas. Pas grave. On va laisser l'armure ici pour le moment. Ah, est-ce que je serais trop lourd ? Je suis trop lourd. C'est pas ça qui est le plus lourd, ça ne pèse rien. Ça on le met sur le côté. C'est des trucs de fortune. Toujours trop lourd. Qu'est-ce qui pèse aussi lourd ? Un des deux miniguns, bien sûr. Tu m'étonnes que ça pèse lourd. Ça, ça pèse son poids aussi. Ok. Mon petit chien. Il faudrait que je puisse attendre, donc je vais attendre une heure ici. D'accord, d'accord. Je voulais pas vous mettre en boule. Salut. Ravi que vous ayez décidé de venir avec nous. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvé. Je pense qu'on pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, ça me plaisait de vivre ici, avant la guerre. Comment ça? Avant quelle guerre? Vous voulez dire que... j'ai vécu ici, il y a plus de 200 ans. Je me suis fait cryogéniser, je crois. J'ai repris connaissance il y a pas longtemps. Merde! Comme une vieille goule d'avant la guerre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous? Juste mon fils. Quelqu'un a profité de mon état pour l'enlever. Je suis toujours à sa recherche. Merde. Je suis désolé. J'espère que vous le retrouverez. Dites-moi si je peux vous aider. Enfin, content que vous soyez là. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander.
J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Pas de problème, hein. Je me ferai un plaisir. C'est génial. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main ici... Augmentons un peu. Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Niveau quête à... Parler à Sturge. Où est notre ami ? Le voici. Hey, vous avez un instant ? Je voulais vous remercier de nous avoir aidés à Concorde. Si seulement on avait pu vous rencontrer plus tôt. Ça a quand même fini par s'arranger ? Pas vraiment. Nos problèmes... Uh-huh. Mon fils, il... Je connais ça. Mais vous et moi, on est encore là. C'est ça. Sanctuary. Je savais que vous nous rejoindriez ici. Quelque chose vous lie à cet endroit. J'ai vécu ici, il y a bien longtemps. Ah, sauf que le passé lointain ne l'est pas tant que ça pour vous. J'ai vu le moment où vous avez quitté votre glacière. Pour vous, la vision peut vous aider. Elle apporte tout. Tenez. Ah, vous aimez ça, vous aussi, hein ? Ça fera l'affaire. Diamond City détient des réponses, mais elles sont verrouillées. Vous demandez. Mais vous finissez par le trouver. Ce cœur qui vous conduira. Voilà. Voilà. Oh là. Ça m'a fait. D'accord. Et donc, attendez, toi. Attendez, je vais arrêter immédiatement ce que je fais pour vous parler. Ou pas. Fichez-moi la paix. Eh ben. Pas commode cette petite. Alors, voyons voir Sturges. Vous voulez participer au travail ? Qu'est-ce que je peux faire ? De quel genre d'aide vous avez ? Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Je me ferai un plaisir. Parfait. Pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Alors, pas de Sturges. Il nous demande de faire quoi ? Commencer Sanctuary. On va construire quelques lits. Faudrait que je puisse bouger. Rien faire que faire ça, et ben. Ah, il en faut 5. Hop là. On va essayer de tout construire pour Sanctuary au moins. De bouger que comme ça, hein, c'est chiant, mais bon. Ah, c'est chiant. C'était la note ici. Et encore un. Voilà. Ils sont pas très bien placés, je sais, mais bon.
Ça me plaît bien. Avoir un endroit où dormir, c'est bon pour le moral. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une source d'eau propre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Un puits, par exemple. Comme... D'accord, un puits. Oh, là vous avez sûrement entendu. À placer uniquement dans la terre, je ne comprends pas. Il faut que j'essaie de changer les commandes pour ça parce que sinon j'ai pas fini. Ah, je peux pas. Je peux malheureusement pas. Le truc avec les pompes à eau, c'est de trouver le bon endroit. Un endroit juste au-dessus des nappes phréatiques. Donc, essayons de voir. Pas de magasin, fabrication. À faire. Donc, on va mettre un peu d'électricité. Générateur. Générateur ici. Puis ensuite on va faire magasin. Non. Ressources au. Qu'est-ce qui peut être fait en béton? C'est du bois. Ça c'est une branche, donc autant la détruire. Hein. Traîne sur le sol. La voiture, je peux la. Ah ouais, je peux. Un extincteur caoutchouc amiante. Mais du béton, il faudrait que je détruise un mur. Les murs, ça se détruise pas. Je pense pas. Ah, des vis. Je suis obligé de faire X pour pouvoir avancer. Ça fait déplacement auto. Du béton. Oh, mais ils ont. Ah, oui, bah alors là. Alors là, oui. Hein. Tout ce qui est en ruine, je détruis. Hein. Ça rapporte à mort. Bah oui, bah du parpaing. Mais... Qui a écrit ta chanson alors? Hein?
Voilà. Donc en ressources en eau. Petit épurateur d'eau, d'accord. Et où est-ce que je peux le placer? Côté de là où il y a de l'eau, mais... Où est-ce qu'il y a de l'eau? Là-bas. Ah, ici. OK. Il me manque un cuivre. Il faut du cuivre. Hein. Allons chercher ça. Où est-ce qu'on peut trouver du cuivre ici? Acier, béton. Désolé que ça prenne du temps comme ça, mais... Il faut tout ça. Double d'acier. Dans la cuisine peut-être, le frigo, non. Plastique, du cuivre, bordel. C'est la céramique. Tout est logique, mais bon. Ah, je crois qu'il y a du cuivre là juste derrière. Ouais, non, ça c'est pas du cuivre. Non, c'est de l'acier rouillé. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui est fait de cuivre? J'essaie de voir si dans mes objets dans l'inventaire il n'y a pas des choses qui peuvent avoir du cuivre, etc. Téléphone. Trouvons des téléphones. Je peux plus sauter, c'est bon.
quête, petit truc annexe. Oui, juste une petite quête annexe comme ça. Trouver des téléphones. Téléphone. Les radios peut-être. Non, caoutchouc, je savais pas qu'il y avait du caoutchouc dans les téléphones, moi. Je me prends quelque chose. Enfin dans les téléphones. Ah, j'ai oublié. Dans les radios. Il faut vraiment que j'ai ce qu'il faut, hein. Ah bah d'accord. Il faut que je visse un pylône. Ça, il me faut du cuivre, bravo. On va continuer encore un petit peu, si jamais je trouve pas, je ferai... On arrêtera cette vidéo là et on continuera dans la prochaine. Hein. Il me faut un de cuivre quoi. Si je prends le bureau, tout va tomber. Ce serait bête. Du poids, encore du poids, toujours du poids. Que du poids. Machine à laver. Un téléphone. Mais ça, merci, ça, je sais qu'il faut que je tire un câble à l'endroit où je veux faire. C'était aussi simple, j'aurais fait depuis longtemps. Je peux pas prendre les plaques d'égout là. Ah mais je suis bête, je dois avoir des téléphones sur moi. Attendez. J'ai ma petite idée. Alors, soit j'ai des téléphones sur moi, soit ils sont là-dedans. Téléphone. Il y en a un, là. Je sais pas où j'ai mis les autres, mais c'est pas grave. Voilà. Faites que ça marche. Ah non, attendez.
Non, j'ai cru qu'il y avait des pylônes. J'ai eu peur. J'ai dit, cherche partout alors qu'il y a juste à côté. Donc, le générateur se trouve là-bas. Je vais péter un câble. Donc, bah, nous allons nous arrêter là. À la prochaine, la prochaine vidéo, j'essaierai de trouver un moyen de trouver du cuivre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle n'était pas très enrichissante, on a fait que de la recherche, etc. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur nous abonner à la chaîne. C'était TheZenel. Prochain petit bon HD, passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.